Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto de déco de Noël pour le sapin, mais à vrai dire, vous en faites ce que vous voulez. Je vais quitter mon bracelet et ce sera une déco de sapin faite en récup, en partie en tout cas, avec un rouleau de papier toilette. Donc on prend un rouleau basique de papier toilette, il nous faut... Enfin, moi, je vais utiliser en tout cas mon plioir. Dans le cas présent, je vais vous montrer. J'utilise des pinces comme ça, que ensuite on fait comme ça. Mais là, pour la vidéo, on ne va pas l'utiliser. Mais j'utilise ça en général. Je vais utiliser ce bloc de papier que je vous ai déjà, vous avez déjà eu des tutos sur la chaîne récemment avec. Et donc, ce sera une chute d'une feuille qui sera celle-ci. Ensuite, eh ben, j'ai besoin de différents rubans de couleur rouge. Pour celle-ci en tout cas, hein. Donc j'ai pris un petit morceau comme ça qui fait un demi centimètre en satiné. Ici il fait un centimètre et demi, et ici c'est de la cordelette rouge satinée, pareil, enfin matière satinée qui normalement sert à faire des bijoux, mais ça peut être tout autre chose. Moi je vous montre ce que j'utilise, ça ce sont des chutes, voilà. Et j'ai préparé ça, ça vient de chez Action, je verrai ce que j'utilise à ce moment là j'ai aussi préparé une petite déco de sapin comme ça en mousse, achetée toute faite, peut-être de chez Action, je sais plus. Donc voilà, on y va. Donc je prends mon rouleau, je prends mon plioir, ok, j'aplatis mon rouleau, c'est tout bête, hein. Et pour pas me casser la tête, j'appuie fortement avec mon plioir de chaque côté et de part et d'autre du rouleau. Voilà, pour l'instant c'est simple. Alors à quoi me sert ma pince? C'est que tout simplement, moi quand je sais que je vais utiliser des rouleaux comme ça, j'en prépare plein, tac tac tac, et pour qu'ils gardent le côté aplati, plié comme je le souhaite, tout simplement je mets ma pince comme ça, et ça peut rester plusieurs jours, plusieurs semaines, voire au moins ils sont prêts, ils sont bien aplatis, et c'est plus simple pour moi. D'accord, je prends mon papier. Donc dans le cas présent, comme je vous l'ai dit, c'était une chute de ce bloc. Donc en largeur ils font 15, et c'est pile poil ce qu'il faut pour ce type, pour les rouleaux. Et en hauteur, allez, parce que j'ai dit largeur, donc c'était la largeur du bloc, et là il fait 10,5 puisque c'était la moitié du 21 du bloc d'origine. J'ai oublié de vous dire qu'il vous fallait de la colle. Dans le cas présent j'utilise de la colle à chaud, de la colle chaude, donc mon pistolet à colle, c'est plus simple, c'est plus rapide. Alors, par contre, j'arrête pas de me brûler en ce moment. Forcément, j'utilise la colle chaude. Et je peux vous dire que mes doigts en ont plein le dos. Ils en ont marre. Regardez, j'en ai deux partout. Donc, j'ai mis ma colle, vous voyez, un peu partout. Je vais essayer de vous montrer sans me brûler. Ok. Je place. Bon, là, il n'y a pas franchement de sens. Mais quand on fait ça, il faut regarder s'il y a un sens avec le papier qu'on utilise. Hein. D'accord. Donc, il y aura un petit peu de papier à couper, puisque j'ai pris trop grand, mais c'est pas grave. Donc je l'ai mis à fleur en bas. Bah pareil, j'ai oublié de faire un truc que normalement je fais avant. Bah tant pis, je vais le faire maintenant. C'est toujours comme ça en vidéo. En réalité, il fallait coller un des côtés à l'intérieur du rouleau. D'accord, donc je mets un filet de colle et j'aplatis. Donc là, pour plus me cramer, maintenant j'utilise deux rouleaux qui me servent que à ça, parce que sinon je me crame les doigts et là mes doigts ils en peuvent plus. Ok, donc voilà, du coup ça nous fait une partie qui est collée et l'autre qui est ouverte. J'aurais dû le faire avant le papier, mais bon, comme vous pouvez le voir, ça n'a posé aucun problème et ça n'en posera pas. Maintenant je vais venir coller les côtés qui restent ici, ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre directement sur le papier et en bas. Comme ça, je suis sûre de ne pas me louper. Je viens coller. Hop. Alors, je fais comme ça, vous l'aurez compris, pas me cramouiller encore une fois les doigts. Et je fais pareil de l'autre côté. J'essaye de mettre des filets assez fins, parce que si on en met trop de colle, forcément, ce ne sera pas joli, hein, parce que ça va laisser des grosses bosses. Disgracieuse, d'accord. Voilà, et vous n'êtes pas obligé d'utiliser la colle à chaud, bien entendu, vous pouvez utiliser toute autre colle. C'est juste que la colle à chaud, c'est rapide, c'est efficace. Et voilà, c'est vraiment juste ça. Donc, je vais venir enlever la partie du haut où il y en a un petit peu trop. J'aurais pu le faire avant, là encore. C'est pas gênant, je veux dire. Voilà. Disons que si je l'avais fait avant, j'aurais pu récupérer mon papier. Là, c'est pas dit que je le récupère. Mais bon, quoi que, avec moi.
Donc là, je vois que j'en ai pas mis assez. Je rajoute un chouïa, un petit point de colle. Voilà. D'accord. Donc en bas, c'est comme ça. En haut, c'est comme ça. Et comme j'ai coupé pas droit, eh ben, je viens rectifier parce qu'il me reste encore du papier en trop. Ok. Voilà, donc c'est évidemment une décoration à faire qui peut vraiment très facile à porter et tout. Il n'y a pas besoin de grandes choses. Vous verrez à la fin que je l'ai faite avec d'autres matières que le papier. D'accord? Et je vous expliquerai d'autres choses, d'autres manières de la faire. Je continue. Je vais prendre ce petit morceau de tissu type satiné rouge. Là, c'était pour faire... déjà, c'est une déco de Noël. Voilà. La partie que j'avais pas collée, je vais venir y mettre un petit filet de colle tout léger. Et je vais venir placer de cette façon-là, comme ça, mon petit ruban. Alors, en centimètres, je suis pas, j'ai pas, je fais à vue d'œil, hein, mais voilà, faut que ça fasse une nuance, en fait, un peu comme un sac à main. D'accord? Donc, on y va, on place et on essaye de passer de façon jolie. Et j'ai envie de vous dire, pas homogène, mais voilà, un truc qui fasse joli, quoi. D'accord? Donc là, mes anses sont placées. Ok? Enfin, ma anse. Ça vous fait un peu comme un sac à main. Ensuite, là, il se trouve que pour la présentation que je vous fais aujourd'hui, je les ferme, les rouleaux. Donc, je mets de la colle. Et là encore, je viens fermer la deuxième partie du rouleau. D'accord? Avec, avec mon ruban coincé dedans, qui fait un peu comme une anse de sac à main. Même si ça n'en est pas un. D'accord? Et ça nous fait déjà ça. Ok? J'espère que vous voyez bien. J'enlève le bazar. On continue. Maintenant, je vais utiliser... je me tape. Donc, du coup, je vais regarder si je préfère avec celui-ci qui est un peu genre velours, hein, mais qui n'en est pas. Hein. Ou avec l'autre. Moi, je crois que je vais prendre celui-là. Ouais. Ça donnera le côté brillant qui manque un petit peu, d'accord? Donc, sur la partie basse, donc il y a un côté avant et arrière, puisque à l'arrière, on a la jointure. Hein, donc, je fais attention de garder vraiment l'avant le plus joli possible. C'est la partie qu'on verra. Je mets un filet de colle chaude juste sur la partie basse, voilà. Et je le fais devant vous. J'espère que vous voyez bien. Je vous descends, j'enlève ça. Je viens placer... mon ruban, je dépasse un peu pour pouvoir bien découper et bien placer comme je le veux. Je le colle comme ça, mais comme vous, je vais vous montrer. Alors, c'est bien avec ces papiers, c'est quoi? Il se nettoie bien, quelle que soit la colle. Enfin, il se nettoie bien, je me comprends, mais la colle s'enlève bien. D'accord, ça fait ça. Et je n'ai pas collé à fleurs. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment dépassé volontairement. Là, eh ben, je vais faire pareil de ce côté. Sur la partie basse, un filet tout en bas. Et ça, c'est vraiment à la portée de tout le monde, je vous dis, parce qu'il n'y a pas besoin de faire du scrap depuis 20 ans. Il n'y a pas besoin d'avoir un matériel de fou. Vous pourrez adapter. Vous allez voir, je vais vous montrer tout à l'heure, ça peut, avec plein d'autres choses que du papier, des rubans, enfin n'importe. Donc, vous voyez, ça fait ça. Là, je vais venir couper un peu à ras pour ne pas gaspiller. Hein. Je range mon rouleau, je ne l'ai plus besoin. Enfin, si, je peux l'avoir besoin, mais je l'ai rangé quand même, tant pis. Donc là, je vais venir pour faire tout simplement le côté fini, bien joliment fini. Je vais couper un petit bout ici de derrière pour faire venir la partie qui est de devant qui est en trop sur la partie arrière, puisqu'on a la jointure à l'arrière déjà et que c'est la partie arrière, on ne la verra pas. Donc il vaut mieux que je fasse ma finition sur l'arrière, tout simplement. J'espère que je suis claire. Pareil, je viens faire ça avec... un rouleau de papier pour pas me cramouiller. Vous voyez, parce que voilà, enfin, ça se gratouille très bien après et ça s'enlève très bien. Et je vais vous dire, quand bien même j'arriverai pas à le nettoyer, vous pouvez y ajouter une petite chose dessus qui cachera. Voilà, donc ça vous fait la partie basse comme ça. La partie haute, je vais plutôt opter. Je vais opter pour reprendre la même chose finalement. Ouais, ça fait plus harmonieux. Hein. Donc voilà, je vais faire pareil, sauf que. J'ai pareil, je mets un filet de colle. Je mets mon ruban, je ne le mets pas tout à fait en bas parce que ça permet en fait de cacher la jointure du rouleau
en haut sans avoir à passer des heures à chercher à jouer à cacher. Enfin, vous me comprenez? Derrière, à l'arrière, ça fait ça. Et voyez, cette partie-là, c'est pas très joli à voir. D'en haut, comme ça. Donc, du coup, en faisant superposer le ruban, ça cache. Un peu de colle. Mon ruban. Tac. Je viens couper. Cette fois-ci, je n'ai vraiment plus besoin. D'accord, ça fait ça. Donc, comme tout à l'heure, je vais placer... Je vais faire ma finition sur le côté, sur l'arrière de la création, de manière à parce que ça ne gêne pas visuellement. Donc je coupe un petit peu ici pour pas qu'il y ait trop de superposition de matière et que ça soit pas joli. Et je vais mettre un tout petit peu de colle, mais vraiment chouillette. Hein. Je reprends mes rouleaux pour pas me brûler. Et voilà, et là, ça a un peu bougé, c'est pas gênant. Voilà. Donc, c'est fait. J'ai un tout petit fil, je l'enlève. Voilà, déjà, on en est là. Encore. Donc, ça vous fait comme un petit sac à main. Sur la partie haute, là, je vais remettre un peu de colle pour coller ensemble les deux côtés du ruban que je viens de mettre. Ce qui fait que ça, comme je vous le disais, ça va cacher la partie pas jolie, disgracieuse du rouleau. Là. Pareil, faut y aller mollo sur la colle parce que de toute façon après ça fera pas joli. Parce que ben, ça abîme un peu, ça fait toujours des restes, des trucs pas jolis quoi. Hein, vous comprenez ça? Voilà, donc on y va, mollo. Voilà. Ok, et on les colle ensemble. Ça peut être avec une autre colle. Comme je vous dis, moi je suis avec cette colle parce qu'elle est efficace, rapide. Voilà quoi. Alors, je fais un peu de vide sur mon plan de travail, j'allais vous dire, mais c'est pas bien un plan de travail, c'est vraiment un bureau. Voilà, pardon. Hein. Donc on est presque à la fin. Moi je fais une déco très simple parce que je trouve que ça se suffit. Mais clairement, après, chacun voit midi à sa porte. Je vais faire pareil en bas, j'avais pas fait. Je vais coller, je vais mettre juste un tout petit filet de colle pour coller ensemble les deux morceaux du ruban. Mais voilà, que ça fasse pas moche. C'est juste pour dire qu'on ne voit plus la jointure du rouleau en dessous. D'accord? On en est là. Et vous voyez, c'est pas disgracieux. Ok? Voilà. Et bien, tout simplement, je vais venir coller mon sapinou en mousse, en papier mousse brillante. Donc, celui-là, c'est pas moi qui l'ai fait. Je l'avais acheté fait. Je le mets, je le centre, comme ça, au milieu de ma créa. Et voilà, ma déco de sapin. On récupère de papier de WC, hein, et terminé. J'espère que j'ai bien centré, parce que j'essaie de vous montrer au mieux, donc du coup je tourne vers vous. Voilà, ok, toute simple, et il me semble plutôt sympa. Moi en tout cas j'aime bien. Ah, moi j'ai... je vais vous montrer maintenant d'autres que j'ai fait, donc dans des styles différents, évidemment. Donc toujours avec des papiers action, mais un papier mat, vous voyez. Donc là j'ai utilisé du ruban de pompon. Et plutôt que de mettre une déco, bah, j'ai fait un petit nœud avec un ruban de satin. Ici, pareil, avec un papier action, mais dans les couleurs argentées. Donc là, c'est un fil élastique argenté que j'ai en rouleau. Et à la place, bah, j'ai mis un nœud que m'avait offert Maria. Scrapeuse 01. Donc voilà, c'est des deux de chez Action. Hein, ça rend bien. Ici en doré, pareil, un papier de chez Action, donc de la corde dorée, c'est une vraie corde, hein, que là par contre je n'ai pas fait avec le ruban, j'ai mis en haut et pour cacher les deux côtés, voyez, j'ai fait voilà comme ça, et une découpe faite maison avec mon papier mousse à moi doré, d'accord. Ça fait un peu style sac à main finalement, mais ça n'en est pas. En tout cas, pour ceux que je vous présente aujourd'hui, je vous en présenterai d'autres où vraiment on va les utiliser comme des petits sacs à main, mais en décoration de sapin. Ici, on est toujours dans du papier, mais cette fois-ci, c'est du papier cadeau. C'est des chutes de papier cadeau qui me restaient, que j'ai utilisé. Et j'ai utilisé donc le même ruban en haut et en bas, et ensuite une petite cordelette type tweed en doré. Donc ça, c'est un sapin en papier mousse que j'ai fait moi-même. Et voilà, donc ce qui est bien avec ça, c'est qu'on ne voit vraiment pas, il n'y a vraiment pas ou très peu le raccord. Là, on le voit à la caméra finalement. Mais en réalité, on le voit très très peu. Pareil avec le papier, c'est vraiment... voilà. Et vous pourriez décorer parfaitement à l'arrière. Là, je ne l'ai pas fait avec cela.
parce que je trouvais que c'était pas utile. Voilà. Et enfin, le dernier que je vous présente aujourd'hui, fait avec du papier mousse. Alors, tout simple, hein, j'aurais pu faire beaucoup plus compliqué. Donc, j'ai entouré mon rouleau de papier avec du papier mousse. Là, par contre, là, au niveau, à l'arrière, c'est beaucoup, beaucoup plus visible, je dirais, la jointure. J'ai mis mon ruban en bas. En haut, j'ai mis ma même cordelette que tout à l'heure, vous voyez, pour cacher. Et ma petite anse. Donc, voilà. Vous pouvez faire ça avec du papier cadeau, avec du papier normal, du papier pour faire du scrap, avec n'importe quoi, du journal, de ce que vous voulez, du tissu évidemment. Voilà, là je vous présente aujourd'hui ces petites décos qui sont donc fermées, les rouleaux sont fermés en haut et en bas. Je vous en présenterai dans un autre tuto avec évidemment le rouleau qui reste ouvert et qui sert vraiment comme un petit sac à main, mais toujours en déco de sapin. Voilà, j'espère que ça vous inspirera. Vous voyez, ce sont des petites décorations qui font leur effet, qui feront très jolies dans tout type de sapin et qui feront de jolis cadeaux aussi pour nos amis, notre famille ou nos copinettes, enfin pour qui on veut. Voilà. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.